Jamie Foxx est tombé malade en avril dernier. Depuis, l'acteur n'a donné aucune nouvelle. Son ami et co-acteur John Boyega révèle les dernières nouvelles sur sa santé, le 27 juin 2023. Les fans continuaient à s'inquiéter en ce qui concerne l'état de santé de Jamie Foxx. L'acteur a même refusé de communiquer après son hospitalisation en urgence en avril dernier. Son ami et co-acteur John Boyega, lors de l'American Black Film Festival à Miami Beach, en Floride, avait déclaré la semaine dernière toujours essayer de contacter l'acteur de 55 ans. J'ai appelé, je vais continuer à appeler. Il a intérêt à décrocher. Allez Jamie, avait déclaré l'acteur de 31 ans à Entertainment Tonight. Heureusement que les dernières nouvelles du 27 juin dernier sont plus rassurantes que les allégations inquiétantes auxquelles on a eu droit pendant les semaines suivant l'hospitalisation de la star de Django Unchained. À découvrir aussi Gus Solution Bowell, à simple trick to empty them completely Gus Solution bar vertical sponsorisé j'ai offert par taboula les fans, et même les amis de Jamie Foxx, sont restés sur leur soif au sujet son état de santé. Le 12 mai dernier, Corinne Foxx, la fille de 29 ans de l'acteur, avait annoncé sur son compte Instagram que son père est sorti de l'hôpital depuis des semaines, et est en convalescence. Aucune information sur un potentiel rétablissement n'a été communiquée. C'est même le contraire qui s'est produit. En effet, les pires rumeurs sur Jamie Foxx ont eu le don d'inquiéter encore plus ses fans. Officiellement, Jamie Foxx a été hospitalisé en urgence à cause d'une complication médicale. Certains avaient avancé que l'acteur était victime des effets secondaires de sa vaccination contre le Covid-19. Les représentants de Jamie Foxx ont vivement réfuté ces allégations au NBC News. Jamie Foxx est enfin sorti de son silence radio. L'acteur John Boyega avait annoncé qu'il allait continuer à appeler son ami jusqu'à ce qu'il décroche. Et il l'a fait. Il a finalement décroché le téléphone. Merci, mon frère, a déclaré Boyega à People, le 27 juin dernier. Il se porte bien. Et puis, vous savez, nous lui donnons de l'intimité, et nous avons hâte qu'il revienne, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Boyega n'est pas le seul à avoir pu parler à Jamie Foxx et à pouvoir confirmer la bonne nouvelle, comme le confirme Datari Turner, le coproducteur du film Back in Action. Il s'en sort très bien. Je vous le promets. Il se débrouille très bien a déclaré Datari Turner, avant de continuer le réalisateur, Juel Taylor, lui a parlé hier. John Boyega lui a parlé hier. Il est en très bonne forme et a le moral au beau fixe. Et il sera de retour à l'écran. Il reprendra le travail très bientôt. Lire la suite.